Je suis arrivé en 2009, on parlait déjà de la reconstruction de ses oreilles. Donc, c'est chose faite. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une journée très particulière. On a voulu que ce soit une journée festive, surtout festive, avec une organisation qui est quand même très compliquée, mais je crois qu'on a gagné parce que là, vous voyez, il est 11h quasiment, les 80 résidents de l'EHPAD ont intégré le nouvel EHPAD, le tout dans une ambiance très conviviale parce que vous avez du personnel qui s'est mobilisé, une trentaine de bénévoles, principalement des agents, mais aussi des familles. Monsieur le maire est passé tout à l'heure, il était enchanté, il a vu effectivement tout le bien-être qu'il y a dans cet établissement qui est à présent, de par les couleurs, le bois. Donc je crois que, enfin, j'ai l'impression que c'était une véritable réussite. Oui. L'EHPAD a été gagné sur un concours d'architectes il y a 2 ou 3 ans. Et après, bon, notre idée un peu qui nous a servi de fil pour la création de ce bâtiment, c'est de s'inspirer d'une ambiance plutôt hôtelière qu'hospitalière. Et puis surtout de créer une ambiance très douce quoi, à l'intérieur des espaces. Pour ça, on a fait un choix de matériaux relativement doux, avec du bois clair, des sols clairs, des murs assez clairs. Je pense que cette sensation un peu de douceur se ressent. Enfin, tous les résidents que j'ai commencé à rencontrer là, aujourd'hui m'ont rapporté cette sensation. Donc ça me fait énormément plaisir. Ce qui était important aujourd'hui, c'était que chaque résident puisse être accompagné individuellement, donc, ou par les familles, ou pour ceux qui n'avaient pas des familles, par un appel à bénévolat que l'on a lancé au sein du CCAS et pour lequel on a plus de 30 personnes qui se sont positionnées et qui sont là aujourd'hui pour accompagner chaque résident. Et ça, pour moi, c'est une vraie réussite. On a vu certains résidents arriver un petit peu stressés. Le fait de voir l'accompagnant être là avec le côté chaleureux, humain qu'on leur connaît, puisqu'on a l'habitude de travailler ensemble avec tous nos collègues, c'était vraiment important. Les accompagnants ont pu rencontrer les
résidents il y a à peu près 15 jours, justement, pour faire connaissance, pour voir aussi comment a été organisée leur chambre sur le Noustet-Soureil 1, pour pouvoir, eux, aider les résidents à l'aménager sur le Noustet-Soureil actuel, que l'on appelle, nous, Noustet-Soureil 2. Placer les cadres au bon endroit, les objets chers à chaque résident. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est pour ça que je trouvais important d'en parler aujourd'hui.